Bonjour, bonsoir, chers amis, c'est Monsieur Sima, le PDG de SimaHouse.com. Dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui est sur le tableau. Ici au Canada, on est en 2024. On est en 2024, c'est quoi vous voyez ici, c'est on est au Canada. Alors, cette vidéo, c'est par rapport au crédit, hein, par rapport au crédit, parce que au Canada, je répète toujours que le crédit, c'est comme le sang qui circule dans vos veines. Okay? Alors, il faut avoir absolument un bon crédit. Hein? Un bon crédit, ça va vous permettre aussi d'avoir l'accessibilité à l'argent, d'avoir l'accessibilité au crédit. Donc, vous êtes crédible à emprunter de l'argent. Donc, pour qu'on puisse vous prêter de l'argent, la banque vous donne de l'argent ou bien, pour avoir aussi un bon travail, on ne vous le dit pas, mais on vérifie aussi votre crédit. En tout cas, si vous voulez travailler au gouvernement, oui, ils vont vous le dit pas, mais ils vont vérifier votre crédit pour voir si vous êtes crédible. Est-ce que vous êtes capable de gérer, hein? Des grandes compagnies avec des postes de travail bien rémunérés, ils vont absolument regarder votre crédit. Alors, le crédit. Comme vous le savez, vous voulez acheter une maison ou bien vous voulez acheter une voiture. Normalement, si vous voulez acheter une maison, on va vous demander 5% de dépôt. La banque vous demande 5% selon la loi. Et aujourd'hui, l'hypothèque maintenant va aller jusqu'à 30 ans. Avant, c'était 25 ans. Donc, vous pouvez payer votre maison pendant 30 ans. Alors, pour acheter une voiture, vous avez besoin d'un bon crédit. Si vous voulez acheter une maison, vous avez besoin d'un bon crédit. Il y a trois règles sur la carte de crédit. Ce que vous voyez ici, il y a trois règles sur la carte de crédit. Première règle, vous dépensez 30% et moins. On vous dit souvent 35%, mais moi je propose au moins 30% et moins. Vous allez être dans le bon. Vous allez avoir même des facilités de rembourser de l'argent. Alors, deuxième règle, lorsque vous recevez une facture, la facture possède une date d'échéance. La date d'échéance, admettons par exemple, si vous payez votre facture le 27. Ça veut dire que jusqu'au 27, ça c'est un calendrier. Au 27, c'est la date d'échéance où vous devez avoir payé votre facture. Alors, moi, je vous propose de ne pas payer le 27. Payez le 20. Payez votre facture le 20. Donc, 7 jours avant la date d'échéance. 7 jours avant la date d'échéance. À ce moment-là, pourquoi vous devez payer 7 jours avant la date d'échéance? Tout simplement, parce que ça prend 2 jours pour que la banque envoie l'information dans son système. Donc, les gens qui sont à la banque, vous avez payé, ils ont des travailleurs, ils doivent à l'interne mettre les informations dans le système. Ça leur prend 2 jours pour mettre à jour les dossiers à la banque. Après ça, ça prend un autre 2 jours. Là, la banque va envoyer les informations au bureau de crédit, BC, au bureau de crédit. Ça prend 2 jours, ça fait 4 jours. Ça prend encore 2 jours au bureau de crédit de mettre les informations à jour dans le système. Okay? Et maintenant, le septième jour, ça c'est 2 jours, 2 jours, 2 jours, ça fait 6 jours, plus une journée pour que le bureau de crédit. Maintenant, au bureau de crédit, il y a un robot. Le robot va passer au septième jour pour vérifier exactement, parce que maintenant, c'est l'intelligence artificielle, hein. Ça va venir vérifier tout le monde. C'est des millions de personnes. Un humain ne peut pas faire ça. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui vient vérifier parce qu'on a déjà préprogrammé ce que l'intelligence artificielle peut faire. À ce moment-là, l'intelligence artificielle va mettre à jour les dossiers en confirmant à la banque que vous avez fait le paiement correctement et tout est
bien écrit et à jour dans le système du bureau de crédit. Vous voyez, à ce moment-là, je répète, je vous conseille que chaque mois, votre bureau de crédit met à jour votre crédit et chaque mois, vous devez, c'est impératif, c'est important, vous devez aller vérifier votre crédit tous les mois. Donc, tous les mois, vous vérifiez votre crédit. Okay? Tous les mois, ayez l'habitude de vérifier votre crédit, tout simplement parce que il peut y avoir deux personnes qui ont le même nom, qui ont la même date de naissance, mais qui sont à des adresses différentes. Ça peut arriver parce qu'au Canada, il n'y a pas moyen que deux personnes puissent avoir le même numéro d'assurance sociale. Chaque personne a son numéro d'identification au Canada qu'on appelle numéro d'assurance sociale. Je peux avoir mon numéro d'assurance sociale. Moi, je m'appelle Simon. Il peut y avoir une autre personne qui s'appelle Simon aussi. Vous me suivez? On a le même nom. On a la même date de naissance. Alors, il peut y avoir des erreurs au bureau de crédit. Au lieu que ça soit moi, qu'on mette mes informations à jour, on va mettre les informations à jour de l'autre personne. Ou bien on prend les erreurs de l'autre personne et mettre ça à jour dans mon dossier à moi. C'est pourquoi ça vous incombe, c'est votre responsabilité d'aller toujours dans votre bureau de crédit pour aller vérifier les informations qui sont inscrites là-dedans. Et ici, sans oublier que au Canada, vous avez deux bureaux de crédit. Il y a deux bureaux de crédit au Canada. Vous avez Equifax, vous avez aussi TransUnion. OK? Experian, c'est plus aux États-Unis. Mais au Canada, ici, les deux grands bureaux de crédit, vous avez Equifax, vous avez aussi TransUnion. Dans TransUnion, souvent, vous allez trouver les créanciers. Les créanciers, vous les trouvez plus chez TransUnion, il fonctionne plus avec TransUnion. Alors, Equifax, c'est plus les consommateurs, les individus comme moi et toi. On va être affichés là-dedans. Même chez TransUnion, on sera affichés, mais les créanciers aussi seront affichés là-bas. Mais pour eux, vous n'allez pas voir les créanciers. Ils vont souvent, ils ont l'habitude d'aller vérifier chez TransUnion. OK? Et sans pour autant oublier que des fois, vous pouvez avoir 600 points chez Equifax et vous avez 580 chez TransUnion. Tout simplement, ils font la cotation différemment. OK? Alors, mine de rien, que ce soit chez Equifax ou bien chez TransUnion, vous devez vous rassurer que votre cote de crédit reste entre 660 points à 725 points. Là, à ce moment-là, vous êtes qualifié comme une personne ayant un bon crédit. Vous me suivez? Gardez toujours, faites un effort. Votre crédit, au niveau de pointage, ça va se trouver entre 660 et 725. Si vous êtes en dehors, en dessous de 660, le crédit n'est pas bon. Et quand vous êtes au-delà de 725, le crédit est excellent. OK? Et voilà, il y a des cotations au niveau des agences de bureaux de crédit. Ils ont des cotations qu'ils attribuent à chaque personne. Alors, il y a R1, bon crédit, bon R9, un négligent, donc mauvais crédit. C'est des notes, ok? Ça, vous ne le voyez pas, mais le créancier, lui, il va voir les notes ici. Les cotations ici, R1 jusqu'à R9, machin. Voilà. Alors, si vous avez un mauvais crédit, vous n'avez pas payé vos factures, après la date d'échéance, on vous envoie des avis de renouvellement, on vous envoie des avis de rappel, mais vous n'arrivez pas toujours à payer votre crédit, à ce moment-là, vous allez tomber dans le R9 et puis on va vous envoyer au bureau de crédit. Vous serez affiché là-bas comme un mauvais payeur. Et pour sortir de là,
ça peut vous prendre 6 ans à 7 ans avant que vous sortiez de là. Et des fois même, si vous avez fait faillite, ça peut prendre 11 ans avant de sortir de ce deux bureaux de crédit là-bas. Alors, il faut faire attention pour l'utilisation de votre carte de crédit, pour la protection de votre cote de crédit. C'est super important parce que si vous avez un bon crédit, vous allez avoir des bons taux au niveau de l'assurance. Ça veut dire que les primes d'assurance, vous avez des primes d'assurance ici, que ce soit assurance logement, assurance voiture, vous allez payer moins cher par rapport à la personne qui a un mauvais crédit. Si vous avez un bon crédit, vous allez recevoir des offres. Vous allez payer des bons primes d'assurance par rapport à celui qui a un mauvais code de crédit qui va payer plus cher que vous. Alors, soyez des bons utilisateurs de cartes de crédit. Soyez des bons utilisateurs vraiment. Alors, ici, vous allez voir qu'il y a des habitudes. Maintenant, les crédits en tant que tels, vous avez ici, comme vous le voyez, il y a des pointages qui sont attribués aux utilisations. Alors, l'utilisation de la carte de crédit est très importante. Vous devez utiliser la carte de crédit chaque mois. Utilisez la carte, la facture arrive, payez la facture. Si vous avez l'argent au complet, payez au complet. Si vous avez une partie de l'argent ou bien vous avez au moins le minimum, payez juste le minimum. Parce que le minimum est toujours indiqué sur la facture de la carte de crédit. OK? Donc, vous utilisez le crédit, on vous envoie la facture à la fin du mois. Et c'est là où je vous disais, j'ai mis un exemple au tableau ici. Admettons, vous avez 1 000 $ sur la carte de crédit. OK? Alors, sur le 1 000 $, vous devez utiliser seulement 300 $ ici. Vous voyez, j'ai fait 1 000 $. Multiplié par 30%, ça vous donne 300 $. Les 300 $, c'est ça ce que vous êtes supposé utiliser sur une carte de crédit de 1 000 $. Pas plus. Si vous utilisez plus, vous êtes à défaut. OK? Quand vous utilisez plus, et surtout si vous ratez le paiement et que vous n'arrivez pas à payer, et là, l'intelligence artificielle va envoyer des signaux aux créanciers, donc à la banque ou d'autres sociétés qui prêtent de l'argent. Et là, si vous avez une carte de crédit, par exemple avec un très très grand... comment je peux expliquer ça? Si vous avez une carte de crédit, admettons avec une grande balance, ok? Admettons vous avez 10 000 $ sur la carte de crédit, vous avez aussi une autre carte de crédit avec 5 000. Et vous avez utilisé plus que ce que vous étiez supposé utiliser sur la carte de 5 000. Vous avez dépassé les 30%. Vous serez surpris, la banque, automatiquement, sans vous demander, va aller diminuer la balance disponible sur l'autre carte. Donc, si c'était 10 000, on peut vous baisser à 5 000. OK? Donc, faites attention avec l'utilisation parce que l'utilisation de la carte de crédit compte. Ça compte au niveau de pointage de 35%. Ça compte au niveau des pointages de 35%. Donc, l'utilisation de la carte de crédit va compter au moins de 35% de valeur. Le paiement, maintenant les habitudes de paiement aussi, ça va compter aussi à 35% de valeur. OK? Et 10% ici, c'est chaque fois que vous demandez des crédits. Donc, je répète, si vous demandez des cartes de crédit fréquemment, les créanciers vont voir que vous êtes désespéré. Ce n'est pas bon pour toi. Il faut limiter au moins à 5 demandes par année. Pas plus de 5 demandes de crédit par an. Donc, pour rester dans le 10% normal, demandez seulement au moins 5 fois par année. Si vous voulez demander un crédit, ne dépassez pas 5 demandes par année. Si vous dépassez 5, les banquiers, la banque, les autres sociétés de prêt vont voir que ah, celui-là, il est désespéré, donc on ne peut pas lui donner un crédit. Alors, faites attention. Okay? Ne dépassez pas 5 demandes par an. Utilisez
votre carte de crédit à 30% et moins. La facture arrive. Si vous payez, vous êtes supposé payer le 27, payez seulement le 20, donc 7 jours en avance. Les 7 jours en avance, ça va vous aider pour augmenter votre cote de crédit. Parce que lorsque vous payez avant, lorsque vous payez votre crédit avant, admettons vous utilisez la carte aujourd'hui, après 2-3 jours, vous allez payer la carte, ça ne vous avantage à rien. Ça avantage la banque, mais pour vous, ça ne vous avantage pas. Alors, attendez que la facture arrive et payez 7 jours en avance avant la date d'échéance. J'espère que vous avez bien compris. OK? Donc, la troisième chose, j'ai parlé de première règle, deuxième règle, troisième règle, ne jamais fermer la carte de crédit. Ne fermez jamais la carte de crédit, à moins que ceci, c'est la banque qui l'avait fermée pour vous. Admettons, vous ne l'utilisez pas, la banque va la fermer. OK? Il faut l'utiliser et payer. Utiliser et payer. Utilisez toujours des cartes de crédit parce que vous avez des ristournes. Il y a des cartes de crédit qui vont vous retourner 2%. Il y a des cartes qui vont vous retourner 1%. Il y a des cartes qui vont vous retourner même 5%. OK? On appelle ça des ristournes. Ça veut dire que vous avez utilisé 100 dollars, on vous retourne 2% du 100 dollars. Vous avez utilisé 100 dollars, on vous retourne 1% du 100 dollars. Vous avez utilisé 100 dollars, on vous retourne 5% du 100 dollars. Ça dépend de chaque compagnie, chaque banque, chaque prêteur, ça dépend. Excusez, celui qui émet la carte, ok, il va vous donner des bonus. On appelle ça des bonus, ok. Donc faites très très attention, respectez ça. Vous allez voir que votre code de crédit va augmenter et bien sûr, si c'est bon pour toi, tu vas être capable au Canada d'acheter ce que tu veux si tu as un bon crédit. OK? Donc, d'habitude, tu restes au travail parce que pour acheter la maison, à la fin de l'année, chaque année, chaque compagnie là où tu as travaillé, on va t'envoyer un T4. OK? On va t'envoyer un T4. Et pour acheter la maison, on va te demander un minimum de 2 ans. 2 ans de déclaration d'impôt avec un 5% de dépôt. Et si vous avez plus, vous pouvez toujours donner plus. Mais la loi exige 5%. Maintenant, l'hypothèque passe de 25 à 30 ans. Ça veut dire que vous allez passer 30 ans de votre vie en train de repayer l'argent de la banque que la banque vous avait prêté pour acheter votre maison. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, mais comme je vous dis toujours, il y a moyen d'utiliser la maison comme un levier, il y a moyen d'utiliser le travail comme un levier, il y a moyen d'utiliser le crédit comme un levier. Alors, c'est ça mes chers amis, voilà ce que vous avez ici au tableau. Je vous ai expliqué exactement, j'ai parlé du pointage. Il faut avoir des bons points, donc 600 points à 725, vous êtes dans le bon. Si vous pouvez aller au-delà de 725, vous êtes dans le meilleur. Si vous êtes en dessous de 660, vous êtes dans le mauvais. OK? Donc, voilà. Les banques préfèrent, pour commencer vraiment à vous prêter aisément de l'argent, la banque préfère que vous soyez à 680 et plus. Je parlais de 660, mais la banque préfère. 660, c'est encore bon, mais la banque préfère 680. OK? 680 et plus. Alors, chers amis, c'est M. Sima, le PDG de Simahouse.com. Endettez-vous. Endettez-vous en masse. Ici au Canada, c'est la dette. Le Canada lui-même est endetté. Les grandes compagnies de ce monde sont endettées. Hein? Les grands richissimes de ce monde sont endettés. Ça veut dire que vous pouvez vivre une meilleure vie, mais en ayant des dettes que vous gérez d'une façon responsable. Okay? Vous pouvez être riche et utiliser l'argent des autres. La dette, c'est l'argent des autres. Lorsque toi, tu prends ton argent, tu mets ça à la banque prend ton argent, va donner ça à crédit à d'autres personnes et faire des bénéfices avec. Surtout l'argent que vous mettez dans les comptes d'épargne.
L'argent que vous gardez à la banque dans des comptes d'épargne, ça collectionne peut-être un 5% sur 5 ans. C'est pas beaucoup. Il y a des endroits où vous pouvez investir et puis avoir même des 100% de gains. Mais il faut connaître. Alors, aujourd'hui, on parlait du crédit. Je vous laisse là, vous avez bien compris. Canada 2024, vous devez avoir des points 660 à 725. La banque préfère plutôt 680 en montant. Les créanciers vous donnent des notes par rapport au crédit. R1, tu payes, tu as un bon crédit. R9, tu as un mauvais crédit. R3, bon, machin, machin, il y en a. Alors, payez toujours 7 jours en avance votre carte de crédit avant la facturation, avant la date d'échéance de la facturation. Payez toujours 7 jours en avance. Vous avez compris, payez vos crédits 7 jours en avance, avant la date d'échéance. Ça va vous aider à booster votre score de crédit. Ne jamais fermer la carte. Utilisez 30% et moins. Les banques peuvent aller jusqu'à 35%, mais moi je vous conseille d'utiliser 30%. Et là, vous allez être un champion au Canada. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. Les banques, si vous avez un bon emploi, un bon crédit, les banques vont vous proposer la dette. Okay? Et si vous savez comment vous enrichir avec la dette, c'est parti. Vous avez compris la game? C'est ça le jeu. L'argent, c'est un jeu. Il faut juste savoir comment le jouer et à quelle position vous jouez. Hein? Donne-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous ici. Ici, on parle de finances. On parle des choses sérieuses qui aident les gens à bien s'en sortir financièrement au Canada. Alors, si vous êtes au Canada, voilà la bonne information. Si vous êtes quelqu'un qui a l'ambition de venir au Canada, voilà la bonne information. Donc, ne fermez jamais vos cartes. Gardez vos cartes le plus actives qui est possible. Parce que l'âge de la carte compte 15%. L'âge de la carte compte pour 15%. Ne pas demander trop de cartes. Faites 5 demandes par année. Vous allez avoir 10%. Ici, vous avez 35%. Et là-bas, 30% aussi. Et 35% ici, 35% là-bas. 15% ici, 10% là-bas. Donc, voilà. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo avec vos amis qui sont au Canada ou bien qui ont l'intention de venir au Canada parce que ça va leur aider. Vous voyez, c'est ça ce qui m'a permis de m'en sortir. Quand j'ai compris comment le crédit fonctionnait, c'est comme ça que je me suis en sorti financièrement. Fais la même chose, tu auras le même résultat. OK? Si tu as des questions, n'hésitez pas. Si tu veux un mentor, tu cherches un mentor au Canada. Mon numéro, c'est WhatsApp et Telegram uniquement. C'est le 514 449 48 21 et aussi 438 923 18 33. Là, c'est si tu veux te faire coacher, tu veux un mentorat. Voilà. Uniquement des messages texte ou bien audio sur WhatsApp ou bien Telegram. Encore une fois, qu'est-ce que tu attends? Ne passez pas, abonne-toi à la chaîne ici. On donne la bonne information par rapport aux finances au Canada, par rapport à l'entrepreneuriat au Canada, par rapport à l'importation de la Chine. Soit vous importez ici au Canada ou bien vous voulez importer vers votre pays d'origine. C'est à vous de décider. La taxe, si vous avez des problèmes de taxes, des problèmes d'impôts, contactez-moi aussi. Si vous avez des problèmes de taxes que vous voulez résoudre, vous avez des problèmes d'impôts que vous voulez résoudre, vous pouvez me contacter. Contactez M. Simon. Alors, on est ensemble. Jusqu'à la prochaine. Alors, que Dieu vous bénisse.